Je vais bouffer la caméra. Ah oui. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Wheelers d'Alsace, aujourd'hui dans la région emblématique de Champagne et plus particulièrement au lieu-dit Les Comelles. Une petite localité à proximité de Reims, où Cameron et Christelle hop la guys et roule la poule vont nous accueillir de façon magistrale dans un lieu empreint d'un charme champêtre, rustique et propice à la convivialité. Le temps de répondre à l'appel du petit déjeuner et c'est le début de notre aventure champenoise qui commence. Allez, allons-y! Il court le Bruno, à en perdre ses sabots. Au revoir! Ferme la porte! Finalement, je viens pas! Finalement, tout le monde est monté dans la camionnette et c'est en direction des Ardennes que la joyeuse troupe se dirige. En effet, la balade du jour aura pour objectif de partir du lac de Béron pour emprunter le canal des Ardennes et sa mythique vallée des Écluses. On fera ensuite une halte gourmande à Vonc et on rejoindra la vallée de l'Aisne jusqu'à Rethel. Enfin, nous retournerons à Reims faire une visite express de la Cité des Sacres. C'est donc après 40 minutes admirablement conduites par Christelle et autant de dodo pour les plus robustes d'entre nous que l'on décharge nos montures et c'est parti pour une nouvelle aventure. Et c'est dans les 300 premiers mètres que Pierre va nous faire la plus belle démonstration de dextérité en boue. Un salto arrière. Ouais, c'est bon. C'est la bosse que j'ai pas eu. C'est la roue qui risque de parler. Sinon, on peut faire une chaîne. Hein. Par moi, ça se voit quand même. On a une main. Ouais. Comment ça y est? Ça prend une main et puis une autre main. Je suis essoufflé. Ouais. Quel était le but de cette prouesse, de cette cascade? T'attendre. Tout est de la faute de Yannick, voilà. Faut le savoir. Voilà. Non mais c'est ne vous inquiétez pas, c'est un wheeler professionnel. La bosse, je l'ai pas vue, on a en descendant et en montant. Ouais, ça va. Nous sommes des wheelers de l'extrême, tout va bien. Et la roue n'a rien. Bon, alors après ce premier accident, on va peut-être vous présenter qui sont les grands wheelers de ce petit tour. Cameron, l'organisateur. Pierre, le cascadeur. Manu, le plus sage. Justin, le plus jeune. Michael, l'amoureux de Lyon. Franck, le chouette wheeler. Pierre, le plus chouette des wheelers d'Alsace. Damien, le Côte-Fort-Dame. Bruno, l'amoureux. Et Yannick, le plus chanceux. L'aventure démarre véritablement à cet instant sur les bords du lac de Béron, où Cameron nous a bien expliqué l'histoire millénaire de ce plan d'eau. C'est donc en direction de la voie verte Sud-Ardennes, une toute jeune piste cyclable fraîchement inaugurée au bitume flambant neuf, que nous réalisons sous un beau soleil printanier les premiers kilomètres de la matinée. Donc on vient d'arriver sur le canal qui relie la Meuse derrière nous à Charleville-Mézières, à l'Aisne, qui est devant nous dans 70 km. Le canal des Ardennes, long de 90 km, comporte 44 écluses et a pour objectif de relier la Meuse à la Seine. En 1901, plus d'un million de tonnes de marchandises transitaient chaque année sur ce canal. La particularité de cet édifice, c'est la vallée des écluses, un enchaînement de 26 écluses qui permettent un dénivelé de 70 mètres sur 9 km. Mais alors que nous arrivons du côté de Sémuy, nous apercevons au loin les boucles de l'Aisne et le petit village de Vonc qui sera le théâtre d'une pause gourmande dont seuls les Rémois ont le secret. On a fait 21,4 km et maintenant on mange. Innovation majeure dans nos wheel trips, Cameron a mis à disposition une camionnette dans laquelle tout l'attirail nécessaire à un pique-nique royal était présent. Et oui, il fallait bien l'expérience du El Vecchio pour tirer de la bière correctement. Ça même pas, c'est ah bon. Ça sent l'Alsace. Merci.
Ça, c'est du boudin blanc? Oui, du boudin blanc de Hôtel, qui vient aussi de chez Demoiset. C'est de l'andouillette encore. Oh non, pitié, non. Du joli boudin blanc qui vient de chez Demoiset. C'est absolument impossible d'être malade avec ça. On dirait du Fleischwurst. C'est très digeste. C'est pas des abats. C'est sans gluten, ça Ouais, c'est sans gluten, sans sucre, sans colorant, sans conservateur. Y a rien dedans, c'est que de l'herbe. Ne renie pas ton verre et finis-le. Le temps de concocter une petite salade et d'apporter le plateau de fromage qui va bien. Et on découvre ensemble le jambon dit de Reims. Donc ça, ce sont des jambons de Reims. En fait, c'est des jambonneaux qui sont panés avec de la chapelure. C'est absolument introuvable, sauf dans une seule charcuterie où j'ai tout acheté, les boudins. Et les andouillettes. C'est délicieux. L'appel du jambon a permis à notre grand schtroumpf de s'atteler à la lourde tâche de son partage. Et c'est parti pour une heure de régalade totale. Oui, très bon. C'est bon. Salade, tomate, oignon. Mais non, tu manges. Ça chouette bien. Pardon, excuse-moi. Faites le beau. C'est une vidéo. Hein. Ça c'est mon kebab, ça. Ça c'est mon kebab, tu vois. Fais le beau. Avec. Tu crois que je vais faire un truc que tu pourras mettre dans la vidéo? Non. On parie? Elle en tremble. Non mais on va raider. C'est parti. C'est le moment. C'est l'heure. On est en retard là, faut qu'on aille. Parti. Et après ce repas dont l'organisation et la qualité des mets étaient royales, on décolle pour la deuxième partie de notre tronçon jusqu'à Rethel. C'est à vive allure et l'envie de goûter à ce bitume tout neuf que l'on a repris l'embranchement de la piste cyclable dans la partie qui longe les boucles de l'Aisne. Mais c'est du côté de Rilly-sur-Aisne, quelques kilomètres plus loin, que le canal de Vouziers longe le canal de l'Aisne avant de faire sa jonction. A partir de là, c'est pleine balle que l'on continue la balade dans un cadre particulièrement bucolique. Le temps de traverser Attigny, un petit village qui a été autrefois une capitale royale mérovingienne, et on s'aventure sur les hauteurs de la commune de Givry pour entrer pleinement dans la plaine céréalière de Champagne. C'est d'ailleurs ici, aux abords de la chapelle de Montmarin, un édifice construit dans les années 1950, qui témoigne d'un village martyr des guerres de religion du XVIe, que Pierre a décidé de faire une pause à recharge solaire. Oh Pierre, t'es au courant que pour bronzer, faut enlever tes fringues? Vous êtes mes soleils, je bronzerai dans tous les cas. Et après une dizaine de kilomètres en sillonnant des paysages mêlant structures agricoles et fluviales dans un environnement toujours bucolique propice aux élans d'affection de Pierre, nous sommes arrivés dans la banlieue de Rethel pour prendre notre minibus à temps et gagner au plus vite la capitale régionale. Le vieux pays des Francs, parmi ses métropoles, compte une église illustre d'où venaient tous les rois. Cité du sacre et du précieux alcool, elle fait la fierté de tous les champenois. J'ai nommé Reims. C'est par une visite quasi exhaustive des différents domaines de champagne de la ville de Reims que notre City Tour a démarré. Cameron nous a expliqué les raisons de cette concentration d'activités viticoles sur les buttes de Saint-Nicaise et du Champ de Mars. En effet, leur sous-sol est composé de près de 1000 km de galeries souterraines, vestiges de carrières romaines de craie, valorisées depuis comme lieu de bonification à des millions de bouteilles prestigieuses. C'est désormais le centre-ville de Reims qui est le théâtre de nos pérégrinations, où nous oscillons entre différents environnements qui témoignent de l'histoire pure et séculaire de la ville. De la Porte de Mars au crypto-portique de la place du Forum, on comprend l'importance de la cité au temps des Romains. Mais que pense Bruno de la cathédrale? Elle est mieux que celle qu'on a à Strasbourg. Bah déjà, elle est mieux parce qu'elle a deux tours, hein, déjà, hein, je veux dire. Mais elle est plus petite. La nôtre, elle est plus grande. Non, la vôtre, elle est plus haute. Elle est plus petite, mais plus haute. Comme on dit en Champagne, c'est pas la taille qui compte, alors allons à la découverte de ce lieu mythique. La visite nous embarque dans une exploration fascinante et majestueuse
où se déploie une architecture gothique aux vitraux éblouissants et aux sculptures élaborées. On se laisse facilement guider à travers les allées somptueuses de ce sanctuaire chargé d'histoire où l'on imagine très bien la majesté des cérémonies royales qui ont marqué ces lieux. Et on termine la visite de la ville en allant du côté de la basilique Saint-Rémy pour voir la statue du baptême de Clovis qui, historiquement, n'a pas lieu ici, mais à côté de la cathédrale. On fait un dernier crochet vers un domaine de champagne qui nous dévoile sa botte secrète et il est déjà l'heure de prendre le canal de l'Aisne à la Marne pour retourner à Commelles. Et la soirée démarre par un petit apéro champenois au champagne, ça va de soi. Pas de flûte ici, mais des verres traditionnels dits blida, portés à deux doigts pour garder le précieux breuvage à la juste température. Tout ça pour nous ouvrir l'appétit à un repas d'exception. On va manger du sanglier. Alors c'est pas du sanglier normal, c'est du sanglier de ma voisine Jocelyne. Et y a pas à dire, Jocelyne a réussi son ouvrage pour faire de ce sanglier un accès direct au paradis des grands gourmets, à tel point que nous avons décidé de lui rendre un bel hommage. Jocelyne, Jocelyne. Moi je pense qu'on est sur un piqué. Pour la Jocelyne, allez, allez. Pour la Jocelyne, allez, allez. Pour la Jocelyne, allez, allez. Le lendemain, après une soirée à siroter du ratafia en l'honneur de la voisine de Cameron, c'est doucement, mais sûrement, que la joyeuse troupe se réveille autour d'un bon café pour démarrer l'aventure à l'aéroport de Reims-Champagne. Et quoi de plus merveilleux que de s'extasier devant un hélicoptère? Aujourd'hui, c'est le passé militaire du pays rémois que l'on va découvrir, et ça commence par le fort de Pompelles, un ouvrage majeur de la ceinture fortifiée de Reims qui a constitué son plus grand verrou pendant la Première Guerre mondiale. Mais Bruno a trouvé des joujoux à sa taille. Pendant ce temps-là, c'est Manu qui tente de forcer le passage sur l'autoroute. Voilà ! Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Plus de peur que de mal, car Mickaël avait tout pour soigner le petit doigt de notre très vénérable voyant. Et on continue notre avancée pour notre prochaine étape culturelle à Nogent-la-Besse pour visiter la coopérative vinicole du célèbre village. Dans les collines fertiles de la Champagne, là où le sol riche nourrit les vignes de l'espoir, naît une potion magique, une effervescence captivante qui danse dans nos coupes et enivre nos âmes, le champagne. Pour Guillaume Chanoir, c'est bien plus qu'une boisson pétillante. C'est un symbole du savoir-faire vinicole français, un art précieux transmis de génération en génération, imprégné de passion et de tradition. C'est là, ici, dans ces sanctuaires souterrains, que le processus de fermentation prend vie, lentement et avec précision, jusqu'à ce que chaque goutte révèle son caractère unique. Les cuvées sont assemblées avec un art subtil, mélangeant les cépages avec une maîtrise experte pour créer des symphonies de saveurs qui réjouissent les palais les plus exigeants. Mais champagne est bien plus qu'une simple boisson festive, c'est une invitation à la joie, à la camaraderie et à la célébration de la vie elle-même. C'est une boisson à l'image des huileurs d'Alsace et c'est pourquoi on va continuer l'aventure dans un lieu insolite de stockage de leurs bouteilles. Et on quitte le charmant petit village de Nogent-la-Besse pour aller vers le fort militaire du même nom, acquis en 2012 par la coopérative viticole. Nous aurons la chance d'y découvrir une charcuterie pâtissière de renom typique de la région et de faire une randonnée digestive par la visite de cet ancien site militaire un petit peu moins connu que le fort de la Pompelle. Bon bah, pendant que ça se prépare, on va faire un tour. Je vous propose de manger un pâté croûte champenois et non pas un pâté en croûte. Dans la France, on fait des pâtés en croûte. En Champagne, on fait des pâtés croûtes. Un pâté croûte de chez Piquette, qui est le roi du pâté croûte, de manière internationale, c'est sûr. Et pendant que Franck se balade, la joyeuse troupe se régale goulûment de bonnes victuailles. Quelqu'un a vu Franck? Non, mais je crois qu'il est dehors. Les copains? Cameron en profite pour nous expliquer le choix de ce fort pour la conservation du vin et Bruno s'empresse de faire sa fête au pâté croûte.
Les gars, il reste des parts de pâté en croûte. Vous êtes sûr qu'on a oublié personne quelque part dans une des visites? Non, il restera pas de part, je les mangerai. Et maintenant, place à la visite et peut-être à la recherche de Franck. Les copains! Ludovic Wisniewski, membre de l'association Les Amis du Fort de Nogent-l'Abbesse, nous a fait l'honneur de partager son savoir et sa passion pour cet ouvrage militaire et l'histoire des hommes qui y ont séjourné. Depuis 2016, cette association s'emploie à la préservation du bâti et à la recherche de connaissances historiques rattachées à l'histoire du site. Et on ne peut que saluer humblement le travail titanesque de la centaine de bénévoles qui ont œuvré pour mettre à jour les artefacts de la vie des soldats, restaurer certaines pièces du fort et renforcer les kilomètres de galeries souterraines que contient cet ouvrage des années 1880. Mais pourquoi cet ouvrage militaire ici, à Nogent-l'Abbesse? C'est ce que je vous propose de découvrir dès à présent. Après la guerre franco-prussienne et la redéfinition des frontières de l'Est, Reims avait été choisi pour constituer la seconde ligne de fortification après celle de Verdun. C'est pourquoi, dès 1875, on construisit une ceinture fortifiée tout autour de Reims, dont le fort de Nogent-l'Abbesse constitue la pointe la plus à l'est. Ironie du sort, peu de temps après leur achèvement, ces forts furent jugés obsolètes par l'invention des obus-torpilles. Par manque d'argent, seuls les forts de Verdun et de la frontière furent transformés. C'est ainsi qu'à l'aube de la Grande Guerre, tous les forts de Reims étaient privés d'artillerie et de garnison. Les Allemands, eux, prirent possession de ces places comme celui de Nogent-l'Abbesse dès le 4 septembre 1914 pour en faire un dépôt, un hôpital, un casernement et peut-être même le lieu à partir duquel la cathédrale de Reims fut bombardée. Les copains, vous êtes là ? Hé, mais t'étais où ? Dans le fort, tout seul ! Hop là, guys, et roule ma poule. Et c'est sur ces belles paroles que l'on termine ce wheel trip fantastique qui se termine comme il a commencé, c'est-à-dire par une chute. Et hop, Damien par terre. On remercie chaleureusement Cameron, Christelle, Arnaud, Guillaume et Ludovic pour cette organisation particulièrement réussie de ce wheel trip et on remercie une nouvelle fois Jocelyne pour la qualité de son repas du samedi soir. D'ici là, portez-vous bien, likez, partagez, commentez et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Hop la guys! Et roule ma poule.